Le député allemand d'extrême droite, Frank Magnitz, a pris la parole après l'agression dont il a été victime ce lundi à Brême, la ville au nord-ouest de l'Allemagne. La police n'exclut pas qu'il s'agisse d'une agression politique, mais n'écarte aucune hypothèse. Frank Magnitz est à Brême le chef de la branche régionale du parti anti-migrant AfD, Alternative pour l'Allemagne. Je marchais vers ma voiture, je l'avais garée dans le garage du théâtre, et bien entendu on peut passer par plusieurs rues différentes. Mais le chemin le plus court ou le plus confortable est de marcher dans la cour du Goethe-Theater, et c'est ainsi que j'ai pris ce chemin. Frank Magnitz est sorti de l'hôpital, le député d'extrême droite a perdu tout souvenir de l'agression, mais la police indique qu'il a été attaqué par trois personnes qui portaient des capuches. Son agression a été dénoncée par l'ensemble de la classe politique allemande.